C'est une journée festive, certes, mais ça doit être aussi une journée qui doit nous donner l'occasion de réfléchir et de se poser les bonnes questions pour réduire les inégalités de genre qui empêchent et freinent le développement de la fille et de la future adulte, mère et leader au même titre que les hommes. Le défi est grand en raison des réalités socio-culturelles limitatrices des droits de la fille et de la femme qui sont difficiles à éliminer. Mais l'espoir est cependant permis, avec les efforts que déploie actuellement le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, pour améliorer l'accès des filles à leurs droits. Notre temps est venu. Nos droits, notre avenir, c'est le thème consacré cette année. Ce thème nous amène à repenser la problématique de l'éducation, de la formation, de l'autonomisation et de la promotion des droits de filles dans notre pays, les cas de grossesse précoce non désirée qui font le nid des avortements à risque, qui sont fatales, sont encore légion dans notre pays au cours du premier trimestre pour les cas qui sont notifiés. Nous avons encore eu 78 grossesses en milieu scolaire pour le premier trimestre de cette année, de janvier à mars. Et pour le deuxième trimestre, nous avions eu 67. Est-ce que ça c'est normal, chers ados? Est-ce que ces choses sont de nature à contribuer à notre épanouissement? En 2015, nous avons initié l'initiative She Decides. Et depuis lors, on ne cesse de renforcer notre contribution sur cette thématique. C'est une question essentielle pour le développement de toute la nation. Le thème de la journée cette année, vous l'avez entendu, ce sont nos droits, notre avenir. Ce thème est fondamental et gardez-le bien en tête. Sans droits, pas d'avenir. Les droits des filles au Bénin sont des droits consacrés. Ce sont des droits qui, lorsqu'ils ne sont pas respectés, donnent lieu à des sanctions. Les filles ont des obligations au même titre que les parents et qu'il va falloir qu'à partir de maintenant, les filles surtout, prennent conscience des obligations qu'elles ont, qu'elles prennent conscience des droits qu'elles ont, qu'elles prennent conscience des devoirs qu'elles ont. Un appel aux filles béninoises inspiré du discours du chef de l'État à l'occasion de l'inauguration de la statue de l'Amazone qu'il a bien voulu ériger en mémoire de toutes ces vaillantes femmes Amazones qui ont défendu le Dan Romain au prix de leur vie. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses. On est allé à Epitech, au centre d'informatique de haut niveau. Et puis, nous sommes venus visiter la statue de l'Amazone que le président a inaugurée récemment. Après la visite, nous avons discuté sur la sexualité. Ils nous ont aussi parlé de la menstruation, de l'hygiène corporelle, de comment faire pour être une femme battante dans l'avenir. Ça a été une très bonne journée parce que cela m'a permis d'apprendre assez de choses encore sur la sexualité en tant que jeune, les comportements que je dois adopter pour un avenir meilleur. Et grâce à cette journée également, je connais la statue de Tassi Rangbe et une Amazone de Dan Romain que je ne connaissais pas avant. En tout cas, cette journée m'a permis de connaître assez de choses, de développer mes compétences et ma capacité intellectuelle.